Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Et quel plaisir de retrouver l'Estadio de Dragão, le stade du dragon, le magnifique stade de Porto. Allez, on écoute l'hymne national de la Belgique. C'était impressionnant, mais ce qui va suivre va l'être tout autant. Ça, c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Oui, on espère tous se régaler devant ce match. Et puis, comme il n'y a pas d'enjeu, on pourrait peut-être voir entrer des joueurs qu'on a moins l'habitude de voir, qui en profiteront pour se montrer. C'est l'occasion ou jamais, vu la concurrence. On va voir ce que nous réserve ce match. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Lukaku, peut-être. Il a tout d'un grand attaquant. Il est solide, il a de bons pieds. Et qu'est-ce qu'il est bon de la tête aussi. C'est un cauchemar pour les défenses adverses. Oui, c'est un joueur que j'apprécie autant que vous. C'est une remise en jeu. Il a tenté, bien joué. Un autre tir. C'est bien, les intentions sont là. Même si c'était encore imprécis, c'est un bon début de match. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Kanté. La France qui essaye de construire. Et voici Fofana. Oh, attention! Tielemans. Ce contre peut très bien aller au bout. Oh, voici Lukaku. Bonne interception, il y avait danger. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Kanté. Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Koundé. Ça manque un peu de solution. Dans la profondeur. Un bon ballon dans la profondeur. Il est en bonne position pour ça. Il peut frapper. Il est servi. Il tire. C'était bien joué, la passe au départ était magnifique. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. Un peu d'air.
La touche à venir. Hernandez qui récupère ce ballon. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. Les adversaires savent que c'est lui le danger, alors ils essaient de le priver de ballon. C'est une tactique qui marche plutôt bien jusqu'ici. Ça joue long pour filer droit au but. Et voici Fofana. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Attention à ce centre. Un long ballon vers l'avant. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Hernandez. Ça joue sur la gauche. Oh, il faut frapper. La passe est... La tentative. Il est là encore. Bravo, quelle réaction. Un arrêt de grande classe. C'est mal dégagé. Bien servi. Hernandez. Kanté. C'est bien fait. C'est joué long, attention. Voilà une bonne occasion de contre. Il allonge le jeu. Ça pourrait être dangereux. Il est à distance de tir. Difficile de tirer. L'arbitre estime que c'est une simulation. Oui, je pense que c'est la bonne décision. C'était un peu gros. Hernandez. En retrait pour repartir proprement. Hernandez. Qui a un peu. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. La France qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Ils ont terminé très fort. Et le coup de sifflet. Mais c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Tielemans. Au duel, s'il le trouve. Lukaku. Et il perd l'équilibre. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Il tente de se dégager. Koundé. Il décide d'allonger le jeu. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Ça joue long vers l'avant et il jaillit pour prendre ce ballon. Hernandez. Il cherche son coéquipier. Il allonge le jeu. Lukaku, bien placé sur ce long ballon. Encore de buts inscrits dans cette rencontre, mais ça pourrait changer.
Oh, c'est bien joué. Il rejoue derrière lui. La frappe. Oh, c'est chaud. Il a centré. C'est joué long. Oh, voici Lukaku. Bien, la profondeur. Lukaku, il a de l'espace. C'est joué dans l'espace. Là, il peut centrer. Il cherche à le servir. Il est là pour dégager. Il ne résiste pas au contact. Hernandez. Il va provoquer. Oh, quel... faut tirer là. C'est repoussé. Et ça ne passe toujours pas. Ça manque un peu de tranchant tout ça, Grégoire. Tout le reste était bon, pas de soucis, mais il doit être plus précis dans le dernier geste. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. Et ce sera un double changement. Il y avait des joueurs qui... Et la tête ! Une autre chance ! Et ça finit au fond ! Ah voilà, on l'aura attendu, il passe devant ! Quel opportunisme quand même ! C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive ! Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Voilà un avantage qu'il faut défendre maintenant. Il reste encore pas mal de temps. C'est joué long. Il a du champ sur le côté. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Centre travaillé dans la surface. C'est osé. Mbappé. Plus que 10 minutes dans ce match. Un seul but d'écart pour l'instant. Il prend sa chance. Oh, le but. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Face au gardien, ça fait mouche, forcément. Tout a l'air facile avec lui. Quel instinct de buteur. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. 2-0, le break est fait, on est reparti. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Koundé. Mbappé. Qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. C'est logique, vu ce qu'il leur a déjà fait. Chat échaudé craint l'eau froide. Comme vous dites. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Digne. Et voici Fofana. Kanté. Griezmann.
Griezmann. Ça va sur l'aile. Et ce ballon vers la surface. Oh, l'occasion! Nouveau but dans ce match. Voilà qui met son but un terme définitif à tout suspense. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ?